Une seconde, s'il te plaît. Kevin. Kevin, bonjour. Crois-tu être prêt pour 7 heures? Son Altesse est d'accord pour 7 heures. Ah, et dites à ma fille qu'elle peut oublier la Mercedes. À ce soir. Bonjour, maman. Bonjour, bonhomme. C'était qui au téléphone? Greg, il a changé les réservations, c'est à 19 heures. Et nous devons bien sûr obéir aux ordres du bon docteur. Non, c'est le restaurant qui lui a demandé de changer. Est-ce que tu es passé prendre mon costume chez le teinturier? J'ai oublié. J'irai aujourd'hui. Et le cadeau, tu y as pensé? Acheté et enveloppé. J'ai même pensé à enlever l'étiquette du pot. C'est tout ce que tu prends le matin? C'est des céréales? C'est du sucre rempli de conservateurs et de Dieu sait quoi encore. Du poison. Eh ben, dans ce cas, t'en veux un peu? Oui, pourquoi pas. Il ne reste... Je passerai en prendre en rentrant. Bon, faut que j'aille. Salut, maman. N'aie crainte, papa, je serai prêt ce soir. Bonne chance pour ton examen de français. Quel examen de français? Je rigole, papa. Très amusant. J'ai une véritable famille de comiques. À plus tard, maman. Fais-moi plaisir, Kate. Sois aimable avec Greg. Il est de la famille, maintenant. Je ne me rappelle pas avoir accordé mon vote. En plus de ça, il me fiche la trouille, ce type. Il est toujours en train de me regarder comme si j'étais un sujet d'expérience scientifique. C'est un bon garçon. Et c'est Carrie qui l'a épousé, pas toi. Elle n'a que 19 ans. Son cerveau n'est pas encore développé. Tu en avais 20. C'était différent. Comment ça? J'étais beaucoup plus mûre, il me semble. Moi, je te laisse sur ta. Vas-y doucement au déjeuner, hein? Nous sortons ce soir. Voilà ce qu'on va faire. Je vais m'amuser et toi, tu vas passer ta soirée à te faire du mouron. D'accord? Bureau déco, bonjour. Monsieur Atherton, je suis vraiment désolée, je suis très en retard. Un de nos clients a eu quelques petits soucis, mais dans deux petites minutes, je suis à vous. Ce n'est qu'un problème. Bonjour, de monsieur, taille, si je comprends bien. Exact. Je vais arranger ça. Vous pouvez me faire confiance. Voulez-vous m'excuser, je vous prie? Oui. Rien qu'une seconde. Le bureau déco, bonjour. C'est quoi cette fois? Un désencombrement sur l'autoroute. Désencombrement sur l'autoroute. Se plaindre de mon travail. Pas tant que je ramène des clients. Votre table est prête, Madame Bannister. Mais les ramener est une chose, Kate. Leur vendre en est une autre. Et je vends aussi. Tu oublies Atherton. Oh, Atherton. D'accord, c'est un gros coup. Mais
Je crois que tu marches sur des œufs ces temps-ci. Soli n'en supportera pas beaucoup plus, tu sais. Ah, je t'en prie, Laura. Je croyais que t'étais mon amie. Mais je le suis. Alors conduis-toi comme une amie. Kate, je t'assure. Pour que je me tourne, on n'arrête pas de me critiquer. Alors de ta part, ce que j'attends, c'est un appui. J'ai besoin de paix dans ma vie. Tu as l'air d'être la seule à pouvoir le comprendre. Alors s'il te plaît, lâche-moi un peu. D'accord? D'accord, je te fiche la paix. Je savais que je pouvais compter sur toi. Maman? Dépêche-toi, papa nous attend dans la voiture. J'arrive, j'arrive. On dirait qu'on va rencontrer le président. Oh, qu'est-ce que tu es élégant. Maman. Quoi? Ouvre la bouche. Mieux? Mieux. Allons-y, en avant pour la fête. Nous allons bien nous amuser. Alors, ce matin, quand il m'a dit à quel point il était mal à l'aise devant tous ses ordinateurs, j'ai évalué son mobilier ultra moderne et je lui ai proposé du sapin. Il a adoré. Oh, génial, maman. Eh oui, elle tire et elle marque. Alors, comment marche l'internat, Greg? Super, il le laisse quelques fois dormir, 2 ou 3 heures par mois. Parlons-leur de Madame Paul. C'est une vieille dame de 80 ans qui tente inlassablement de frapper quiconque s'approche trop d'elle. Et s'échappe constamment de l'hôpital. Oh, excuse-moi, vas-y, dis-leur, toi. Eh bien voilà, ce matin, il y avait un code bleu venant de sa chambre et je me suis précipité dans le couloir. En cas d'urgence, il n'y a pas une seconde à perdre. Eh bien, savez-vous ce que j'ai trouvé? Oh, vous n'allez pas vouloir le croire. Oh, excuse-moi, continue. Madame Wolf, sur l'escalier d'incendie extérieur, complètement nue. Oh, la vision d'horreur. Et qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'ai réussi à la convaincre de rentrer, mais un patient cardiaque l'avait déjà repéré de sa fenêtre. Il a failli retourner aux soins intensifs. Je porte un toast au docteur et à Madame Ramsay. À l'occasion de leur premier et dernier 6 mois de mariage. Qu'est-ce que tu veux dire par dernier? Qu'on ne fêtera plus ça tous les 6 mois. Vous attendrez 1 an, comme tout le monde. Comme ça, le nombre des cadeaux ne sera pas multiplié par 2. Et papa a raison, après tout, nous ne sommes plus de jeunes mariés maintenant. Ce n'est pas vrai. Vous le resterez tant que vous voudrez bien le rester. Comme ton père et moi. À la santé des mariés. Les jeunes et les autres. Santé. Au fait, Kevin, tu as déjà choisi une école? Pas encore. Nous avons commencé à en parler. Ce que mon fils essaie de vous dire, c'est qu'il y a une légère divergence d'opinion entre ses parents. C'est bien ça, Al? Ne joue pas à ça. Je veux que Kevin ait la meilleure éducation qu'on puisse lui procurer, et son père non. Ce n'est pas vrai. Arrête ça. Je pense simplement qu'il vaudrait mieux que Kevin choisisse une école proche et vive à la maison. Vous savez pourquoi? Parce que ce sera moins cher. Nous avons près de chez nous plusieurs excellentes écoles. Et ce sera moins cher. Écoute. Il y a 1 mois, j'ai dû me séparer de 4 ouvriers. Des employés qui travaillaient dur pour moi. Jusqu'à ce que l'économie se redresse, j'ai l'intention d'être prudent. Ça confirme ce que je disais. Désirez-vous reprendre quelque chose? Merci, nous allons commander à dîner. Pouvez-vous nous envoyer le serveur? Une vodka sur glace, je vous prie. Tu ne crois pas que ça suffit? Avec un zeste. Quelque chose d'autre? Non, c'est tout. C'est ça? C'est le regard dont je t'ai parlé. Maman, mais qu'est-ce que tu racontes? Rien, bébé. Ta mère devient parfois paranoïaque, c'est tout. Je ne suis pas paranoïaque. Baisse un peu le ton, veux-tu? Tu te couvres de ridicule. Oh, on me trouve d'abord paranoïaque et ensuite ridicule. Mais bon sang, qu'est-ce que vous êtes en train de regarder? Rien, Kate. Je crois que nous devrions nous calmer et jouir du reste de la soirée, d'accord? Et moi, je crois que vous devriez la fermer, vous mêler de ce qui vous regarde. Voilà. Oh, maman... Excusez-moi. Parfait, tout simplement parfait.
Il a fallu que tu boives deux verres avant de partir et Dieu sait combien au déjeuner. Maintenant t'écrases, Al. Papa, je t'en prie. Arrête, Kate, arrête ça tout de suite. Eh, ça fait une heure que j'attends mon verre. Désolée, madame, je vous l'apporte. Toutes les fois, c'est pareil, n'est-ce pas? Non, reprenez-le. Oh, maman! Oh, oh, regarde ce que t'as fait, espèce de... Alors, à mon tour. Regarde bien. Maintenant, plus personne boira. Donne-moi le ticket de parking. Pas question. Regarde-moi ce maudit ticket. Et bonne soirée à tous. Oh, merci beaucoup. Papa, ne la laisse pas partir. Quoi que je lui dise, ça ne changera rien. Je vais juste m'assurer qu'elle va bien. Maman, reviens, s'il te plaît. Je sais quand je suis pas la bienvenue. Rentre et surtout, amuse-toi. Qu'est-ce que vous regardez? Kevin, je suis parfaitement capable de conduire. Alors rentre, je suis pas tranquille. Je vous en prie, ne la laissez pas partir, elle a trop bu. Madame, vous êtes sûre que vous pouvez conduire? Allez, viens. Oh non, c'est pas vrai. Je vais voir si elle n'a rien. C'est grave? Non, je ne pense pas. Elle va bien? Oui, elle est simplement évanouie. Sortons de la voiture. Kevin, aide-moi. Nous ne savions pas quoi faire. Ça va aller, Jim. Merci de ne pas avoir appelé la police. Je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé. N'ayez crainte, je réglerai les dommages. Bien. Ça va, maman, je te tiens. Avance. Je rentre à la voiture, chérie. Maman? 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 Il est 8h moins le quart. Secoue-toi ou tu vas être encore en retard. Oh, fiche-moi la paix. Ça, Kate. Oh, Al, tu m'as fait une de ces peurs. Désolé. Repose-moi ça et viens une seconde, veux-tu? Pourquoi?
Pas de cotillon? Alors quelqu'un est mort? Veux-tu bien aller t'asseoir? Pas avant que vous m'ayez dit ce qui se passe. Je t'en prie, maman, viens t'asseoir. Ce sera plus facile pour tout le monde. Est-ce qu'il faut lever la main droite et dire je le jure? Kate, ce n'est facile pour aucun de nous, alors ne plaisante pas. Nous avons à parler de choses extrêmement sérieuses. Bon. Parlons. Ce qu'il y a, c'est que nous venons tous de traverser une série d'épreuves pénibles et nous croyons que tu as besoin d'appui. D'appui? Oui, de l'aide de professionnels. Vous croyez? Et pourquoi? Tu sais parfaitement pourquoi. Ton alcoolisme, tout bêtement. Moi, j'aurais un problème d'alcoolisme? Oh, tu te fiches de moi. Tu vois quelqu'un sourire ici? Oui, moi. Parce que le seul ici à avoir un problème, Al, c'est toi, pas moi. T'as saisi? Je t'en prie, Kate, essaie au moins d'écouter. Tu es devenue alcoolique. Non, Al, à toi d'écouter. Je ne suis pas du tout alcoolique. Nous pensons que tu l'es. Carrie? Tu bois beaucoup trop, maman. Oh, génial, tu es toujours de son côté. Il n'est pas question de ça. Tu as de plus en plus de mal à te débrouiller ces derniers temps. Mais de quoi est-ce que tu parles? Je me débrouille parfaitement bien. Je vais travailler, je fais même mon lit, je fais à dîner, je fais la lessive. Je t'écoute pleurnicher sur tes affaires toute la nuit, je sais pas de quoi tu parles. Je vais bien, je n'ai pas besoin d'appui. Mais qu'est-ce que vous attendez de moi? J'ai besoin de la femme que j'ai aimée, de la Kate que j'ai épousée. J'ai comme l'impression bizarre qu'elle a disparu en un clin d'œil. Eh bien maintenant, ouvre grand tes yeux. Je suis toujours là. Tu es seulement trop occupé à vendre tes fabuleux tissus pour t'en rendre compte. Non, je vais te dire ce qui s'est passé, Kate. La femme que j'avais épousée est tombée dans une bouteille de vodka. Mais si tu voulais la parfaite petite épouse, pourquoi tu n'as pas épousé ta mère? Reviens tout de suite t'asseoir, tout de suite. Ouh, obéis, Kate, ou bien je te jure... Je suis très impressionnée. Très bien, j'écoute. Voilà la situation, alors. Nous avons parlé au docteur Gold et il est d'accord. Tu vas partir en traitement au centre de Valley View. Oh. Ce soir. C'est hors de question. Nous t'avons préparé une valise. Notre décision est prise. Tu pars ce soir. Ce soir? Ou quoi? J'ai parlé à un avocat. Je te rendrai la vie tellement insupportable que tu préférerais être morte. J'en crois pas mes oreilles. Je te ferai déclarer mère indigne. Et ce ne sera pas difficile. Surtout avec le témoignage de tes propres enfants. Kevin. Je suis désolé, maman. Pourquoi vous voulez me punir comme ça? Nous ne voulons pas te punir, maman. Nous essayons de te sauver la vie. J'ai tout appris à propos de l'alcoolisme avec Greg et ça peut avoir des effets terribles. Oh, oh, j'aurais dû savoir que vous étiez derrière tout ce cirque. Mais laissez-moi vous dire une chose, espèce de sale fils de pute. Je ne suis pas, je répète, je ne suis pas une alcoolique. Malgré ce que vous pouvez penser de moi, Kate, je crois que vous devriez recevoir des soins avant que ça ne cause des dommages physiologiques irréversibles. Va te faire foutre! Kate! Je réduirai les doses. Une promesse trop souvent entendue, Kate. C'est vraiment à ce point-là? Que veux-tu qu'ils te disent? Que c'est lamentable. Vous me faites passer pour une espèce de poivrotte affalée sur un trottoir et qu'il faut absolument enfermer. Non, aider, pas enfermer. Aider, bien sûr. Et si on parlait de toi, Al? Hein? Il n'y a pas si longtemps, tu t'es fait arrêter pour conduite en état d'ivresse, hein? C'est plutôt commode pour toi d'oublier cet épisode maintenant. Et toi, Nora, tu bois aussi, je le sais, on boit ensemble. Et toutes ces pilules amaigrissantes que tu prends depuis des années déjà, alors ces choses-là, ça compte pas? Je t'en prie, Kate, ça n'a rien à voir et tu le sais, d'ailleurs. Vous êtes qu'une bande d'hypocrites, voilà ce que je sais. Vous buvez tous, je vous ai dit. Arrête, je t'en prie, arrête, tu m'entends? Il ne s'agit pas de nous, nous parlons de toi et tu vas devoir l'assumer. Oh. Écoute-moi bien. Si tu ne suis pas ce traitement, je pars avec Kevin.
Il n'y aura pas de visite. Aucun contact. Rien. Parfait. Va-t'en. J'ai toujours un travail. Quelques amis, je m'en sortirai. Kate, tu n'as plus d'emploi. Sully te licencie. J'arrive pas à le croire. Je suis vraiment désolée, mais tant que tu ne suivras pas de traitement, je préfère que nous cessions de nous voir. Et vous ne serez plus la bienvenue chez nous, Kate. Bon, d'accord. Tu as gagné, Al. Une fois encore, c'est toi qui gagnes. J'irai dans votre petite clinique. Si c'est ce que vous voulez, je serai une petite fille gentille. Maintenant, allez tous vous faire foutre. Tu m'aimes? Nous t'aimons tous, Kate. L'endroit m'a l'air assez plaisant. C'est un ancien couvent. Génial. Tu espères me voir terminer en Mère Teresa? Je t'en prie, Kate. C'est juste le temps que tout redevienne normal. Très bien. Alors allons-y et qu'on en finisse. Alors, je dirais que vous devriez avoir complété cette thérapie au bout de 4 semaines. Votre famille vous rendra visite durant la 3e semaine. Pourquoi faire? C'est toute la famille qui est touchée, Madame Bannister. Et après cette cure, vous devrez continuer le programme de désintoxication, si vous voulez rester sobre. Ah, docteur, je ne suis pas intéressée par l'avant, alors inutile de venir me parler de l'après, d'accord? Il se peut que vous changiez d'avis. N'y comptez pas trop. Après un bilan de santé, vous vous installerez. Annie, votre compagne de chambre, vous y aidera. Une infirmière vous apportera de quoi supporter la désintoxication. Le programme commence immédiatement. D'accord. Alors conduisez-moi à ma cellule. Et voilà, les femmes à cet étage, les hommes au-dessus. C'est chier, non? Certaines salles nous sont interdites, alors tu fais gaffe au panneau. Pas le droit de téléphoner pendant les 5 premiers jours. 2 heures de télé le week-end seulement. Les heures des repas, 7h30, midi et 18h. Que tu aies faim ou pas, hein, tu viens parce que ça les chiffonne si tu restes dans ton coin à t'apitoyer sur ton sort. Les prisonniers ne se révoltent pas? Oh, si. Mais ils nous douchent au tuyau d'arrosage, nous donnent un paquet de clopes et on la boucle. Nous y voilà. Suite numéro 8, toute fuite est inutile. Alors voilà ton lit. Ça, c'est le mien. Ton bureau, ta commode et ton règlement que tu devrais faire en sorte de lire parce que sinon ils vont te faire bouffer un tas de piments rouges. À ta place, je le lirai. Et la salle de bain qui est commune. Oui, chef. T'as une petite futée, hein? J'aime mal penser. C'est bien comme toutes les nouvelles. Tu t'amènes ici en dansant, persuadé que toi seul connais la musique. Tu crois tout savoir, mais tu ne sais rien. Ah oui? Eh bien, je sais que je ne t'aime pas. Qu'est-ce que tu en dis? Je ne suis pas sûre non plus d'être folle de toi. Croisant une ancienne qui se tire d'ici dans 10 jours. Reste réglo, un seul jour à la fois. Ferme bien ta gueule, garde les yeux et les oreilles ouverts. Et peut-être que t'apprendras quelque chose. Ouais, et qu'est-ce que tu as appris? Que je suis rien qu'une droguée, avec un pied couleur café au lait déjà dans la tombe. Que je dois me tenir à carreau. Sinon, je récupérerai pas mes enfants. Jamais je n'aurai d'autre emploi, ni d'endroit pour vivre. Mmh. T'as été virée, toi aussi. Ah, non. Tu te fiches de moi? Avec ces bébés-là, quand je bossais, je m'en mettais plein les poches, je dansais dans une boîte avant mon arrivée ici. Mais il paraît que c'est pas socialement acceptable. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Alors, comment as-tu abouti ici? Tu veux que je te le dise? Oui. Oh.
c'est mes enfants. Voilà Maria. Et lui, c'est Andy. Tu me demandes pas de parler du père, d'accord? Mignon, non? Ah oui, très. Ils me font vraiment marrer. La meilleure chose que j'ai faite. Tu n'as pas répondu à ma question. J'ai tabassé Andy. Il a dû aller à l'hôpital. Il avait 6 ans, tu sais. La petite peste a eu le toupet de se réveiller en hurlant à 2 heures du matin, tu vois. Un problème de cauchemar ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu fais dans un cas comme ça? Quand t'es shooté à mort. Tu commences à lui mettre des coups. Au point de lui péter quelques côtes. J'aurais dû me couper les mains. Je suis désolée. Bonjour, Annie. Ah, salut, Janet. Voici Kate. Bonjour. Ce sont vos affaires, Kate? Oui. Pourriez-vous m'ouvrir l'autre valise, je vous prie? Janet est l'infirmière en chef. Elle veut jeter un œil pour s'assurer que tu n'as planqué ni niaule, ni drogue, ni rien dans tes petites culottes. Les patients essayent vraiment de faire entrer des trucs en douce? Dans les bouteilles de rince-bouche, les tubes de dentifrice, les atomiseurs de parfum et les cavités naturelles. Ils en cacheraient n'importe où. Ce qui explique l'intimité de la fouille que j'ai eue en arrivant. C'est le premier endroit qui regarde. Non, non, j'en ai besoin pour dormir. Et de celles-là pour vous réveiller. Voilà exactement pourquoi je vous les enlève. Vous pourrez passer prendre vos médicaments au bureau des infirmières 3 fois par jour. Nous ne voulons pas de crise de délirium tremens, ni de convulsion. Oh, lâchez-moi un peu, vous me faites passer pour une espèce de droguée. Alors, dites-moi un peu pourquoi nous ferions ça. Cela fait 160 millions de buveurs dans notre pays. Et 10% d'entre eux sont susceptibles de devenir des alcooliques symptomatiques. Et mesdames, ça marche beaucoup plus vite sur vous que sur les hommes. Vous ne métabolisez pas l'alcool aussi efficacement que les hommes. Pour simplifier, le taux d'alcool dans votre sang sera supérieur. Et vous connaissez l'expression, elle ne tient pas la route. C'est pour ça. Personne ne sait pourquoi nous devenons ivrognes. Peut-être est-ce parce que notre métabolisme ne peut transformer cet alcool. T'as pris ta pilule? Ou encore est-ce génétique? Non. Qui sait? Quelles que soient vos raisons et votre attitude... Tiens, t'as qu'à la prendre. Que vous vous mentiez à vous-même, que vous vous trouviez... Ce dont j'ai vraiment besoin, c'est d'un verre. Tout simplement les faits. T'as pas l'air d'avoir compris. De savoir que ce ne sont là que des réactions humaines et tout à fait naturelles quand on se trouve confronté à ce genre de problème. Vous aurez toujours la maladie, mais en tout cas... Le fait de prendre soin de nous-mêmes facilite nos rapports avec autrui, nous rend plus sociables. Les autres n'ont pas à se soucier de nous à ce point. Ah, bon sang, j'avais vraiment besoin de ça. À l'alcool ou à la drogue, et pour beaucoup de gens, le premier pas vers un véritable... Est-ce que t'as pris ton dernier verre hier soir? Mais il y a une chose que vous devez tous savoir. C'était pas mon dernier verre. L'alcoolisme ne se guérit pas. Vous pouvez vous attendre à une cirrhose, à des dommages cérébraux. Au suicide... N'importe quoi. Les buveurs meurent. Point final. Merci de votre attention. Et bonne chance à tous. Tant que tu ne dors pas. Des siècles. Oh, je crois que je vais mourir.
Tu n'auras pas cette chance. Tu n'aurais pas fait semblant de prendre ta pilule? Mais pourquoi j'aurais fait ça? Qui sait? Peut-être que tu te croyais assez forte pour traverser l'état de manque. C'est pas l'état de manque, c'est la grippe. Tu t'arrêtes pas de transpirer? Ça te démange de partout? Tu trembles comme un vibrateur un samedi soir? Tu peux te rendormir. Les articulations douloureuses, l'estomac qui hurle, l'impression que tu pourrais gerber partout. Oh, fous-moi la paix. Nous y sommes. Ça prouve que tu en manques. Faire la conne est le premier des symptômes. Allez, retourne au pieu. Un peu de cran, allez. Là, on y est. Maintenant, tu mets les jambes. Voilà. Ça va aller, ça va aller. Tu as de la chance. La crise est légère. Moi, j'ai failli en crever. Ouais. Tu as une sacrée chance, femme blanche. Détends-toi, comment tu te sens? Écoute. Je sais que tu souffres, ok? Il faut que tu tiennes le coup. Ça va aller mieux. Oh, Seigneur. Je vais vomir. Allez, pas sur moi, alors. Bon, je te laisse te démerder toute seule, hein? Viennent de bouger. Je me sens comme un sac à ordures. Qu'est-ce que tu espérais? Autre chose que ça. Il faut reprendre tes esprits, chérie. Il pourrait vouloir entendre ta première étape dans quelques jours. Tu vas laisser ce bacon? Presque peur de demander. C'est quelle la première étape? C'est un truc pour voir à quel point on est impuissant face à la gnoule. Ça t'a gâché l'existence. Tu dois raconter tout ce qui a pu t'arriver de moche à cause de l'alcool ou de la drogue. Est-ce qu'ils sont regardants pour le style? Je pense pas, non. Ah ben, si c'est ça qu'ils veulent avoir, c'est ça qu'ils auront. Il y a juste un hic. Les forces de mentir. Et qui va le savoir? Et c'est jamais qu'une erreur que je sois là. De toute façon, c'est la faute de mon mari. Il a convaincu tout le monde que j'étais alcoolique. Et je ne le suis pas. Mmh. Ah oui? Qu'est-ce qui se passe, ma belle? C'est mes enfants, Pam. Ils doivent venir ici demain. Je les ai pas revus depuis l'audience. Qu'est-ce que je vais leur dire? Et si jamais je les récupère pas? Et tu les auras. Il le faut à tout prix. Comment est-ce que je dois me conduire avec eux? Ce sera du gâteau, petite. Oh, ce sera du gâteau d'après toi. D'accord, Pam. Puisque c'est comme ça, t'as qu'à y aller. Ah, uniquement si tu te charges de mon mari. Il est mignon? J'en sais rien. Je l'ai jamais vu étant sobre. Alors, Kate, qu'est-ce que tu penses de Valley View jusqu'ici? Je ne vis que pour ça. La désintox se passe mal. Et je cite, ça aussi, un jour, ça passera. Si tu m'avais vu, moi, j'ai dû me débarrasser de ma gnôle, de la coke, de ces petites pilules mauves que mon copain me donnait. Pas trop ce que c'était, mais c'était vraiment chouette. Elles étaient mauves, foncées. Ça va, bébé. Peut-être... Tu laisses tomber, d'accord? Vous savez, je dois dire que mon bourbon me manque. Oh oui, c'est ce qui manque ici. Les hommes aussi. Je te jure que je préfère avoir du bourbon. Ça te coûte moins cher
ça te tient aussi chaud. Et en plus, quand tu as fini, tu jettes ta bouteille aux poubelles et personne ne te dira rien. Il y a des jours où je ne faisais pas la différence entre Athènes, Grèce et Athènes, Géorgie. C'est pas bien. Quand le prof plane au-dessus de ses élèves... Vous est-il jamais venu à l'esprit que vous étiez alcoolique? Seigneur, non. C'était le seul moyen que j'avais pour affronter cette classe de jeunes gangsters. Continue à faire ce que tu fais, tu continueras à voir ce que tu as. Kate, avez-vous une opinion sur ce que Pam vient de dire? Eh bien, elle a dit qu'elle buvait quelquefois, peut-être un peu trop, sous la pression, mais ça ne fait pas d'elle une alcoolique pour autant, non? En ce qui vous concerne, Kate, croyez-vous être alcoolique? Non, je dis que non. Très bien. Bon, il y a 6 jours que vous êtes là maintenant. Il est temps pour vous de nous faire entendre votre première étape. Oh! J'ai cru que je n'aurais jamais cette chance. Ma première étape par Kate Bannister. Oh, très bien, j'avoue. Oui, je vois un peu. Oh! Bien... Je prends un verre au déjeuner, de temps en temps. Pas à chaque fois, de temps en temps. Écoutez, je sais qu'il y a des jours où je pousse un peu, mais qui ne le fait pas. Mais j'ai bien l'intention de faire quelque chose à ce sujet. Alors, voyons, vous êtes la seule qui puisse prendre cette décision. Je sais, oui, je sais. Mais je dois vous dire une chose, et peut-être que vous allez m'en vouloir de vous avoir dit ça, mais je pense sincèrement que ma famille a vraiment réagi trop vivement à propos de tout ça. Par exemple, si j'étais un homme, on ne m'en voudrait pas autant de faire un accro de temps à autre. Vous savez, je veux dire qu'il y a vraiment 2 vitesses dans la façon de juger la question. Moi, je suis d'accord avec toi. Il faut dire que là, elle marque un point. Les hommes ont la partie beaucoup plus facile. Mais je crois que pour le reste, ce qu'elle a dit, c'est surtout pas mal de foutaise. Très juste. Tu ne fais que blâmer, blâmer, blâmer. En tout cas, ça m'en a tout l'air. Quoi, vous croyez que je mens? Non, 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 je pense que vous niez la situation. Ça va de pair avec la maladie. Je doute que vous soyez en position de penser quoi que ce soit à propos de moi, alors que vous ne savez rien du tout à mon sujet. Mais nous savons des choses, Kate. Vous croyez? Je sens que ça approche. Qu'est-ce que tu essaies d'insinuer, dis-moi? Je dis simplement que les jolis petits murs blancs qui te protègent vont dégringoler. Non, en tout cas, je n'ai pas envoyé un de mes enfants à l'hôpital. Sale petite pute! Eh bien, tu aurais dû, parce qu'au moins tu saurais que tu as un problème. Oh, cette fille a écœuré toute sa famille sans même s'en rendre compte. Asseyez-vous, je vous prie. Asseyez-vous. Les choses sont pires que ça, Kate. Oh, vous croyez? Vous savez ce que vous venez de faire? Vous nous avez tracé le touchant portrait d'une femme qui a parfois certaines difficultés à contrôler son goût pour l'alcool. Exact? Oui, c'est exact. C'est ça? Voyons, pourquoi ne nous dites-vous pas que parfois vous êtes tellement effondré que vous ne sortez pas du lit avant midi? Oh, parce que c'est... Que vous avez perdu votre emploi. Oh, je vous en prie. Vous ne nous avez pas dit que vous étiez trop ivre pour assister à la remise de diplôme d'études secondaires de Kevin, ni que vous avez insulté des clients de votre mari. Et que vous vous êtes évanouie à la réception du mariage de Kerry. Si vous avez oublié certains de ces événements, c'est que vous avez eu des pertes de conscience, ce qui prouve bien que vous avez cette maladie. N'est-il pas vrai que nombre de vos amis vous ont laissé tomber, vous et Al? Et que vous avez eu 3 accidents de voiture au cours des 2 dernières années? Que vous avez volé de l'argent dans le sac de votre fille pour acheter de l'alcool? Kevin a dit que l'année dernière, il était dans le salon avec ses amis quand vous êtes entrée en titubant à moitié nue. Vous riez tandis que ses amis restaient là à vous regarder bouche bée. Il a dit « J'ai failli mourir tellement j'avais honte d'elle et de moi ».
Kate, t'en vas pas. Kate, attends-moi que le programme fasse son effet. Quel programme? C'est pire que l'Inquisition. Ça fait que c'est trop dur pour toi, alors tu laisses tomber? Je vois pas ce que ça peut te faire, de toute façon. J'ai besoin de toi, tu veux le savoir? Kate. Kate, j'ai besoin de toi pour m'aider. J'ai besoin de toi pour me prouver que ça peut marcher, même si on souffre à en crever. Écoute, nous avons besoin l'une de l'autre pour nous en sortir. Il va falloir que tu t'en sortes sans moi, enfin, je te le dis. Kate, on fait un marché, d'accord? Écoute, si tu restes ici encore une semaine et que tu souffres toujours, je te ramène chez toi moi-même. Non, je suis désolée. Tu ne peux pas juste dire non, je suis désolée. Si, je peux. Non! Calmez-vous, voyons, calmez-vous. Détendez-vous. Et essayez de vous calmer, Marie. Ça va aller. C'est ça, voilà. N'ayez pas peur. Ce n'est rien. Calmez-vous. Ce n'est rien. Kate, venez nous aider. Qu'est-ce qui lui prend? Crise de délirium tremens. Qu'est-ce que je dois faire? Essayez de parler. Chut. C'est rien. Ça va aller. Allons, c'est rien. Restez tranquille maintenant, tout va bien se passer. Andy! Andy! Oh bébé! Oh bébé! Oui, je suis là. Je suis là. Les couleurs ou les modes changent tous les jours. Vous aussi? Always a donc créé une boîte combinant trois types de serviettes. La bonne protection à tout instant. Always Multipack, la protection idéale pour chaque femme. Une dernière fois, on lève et on relâche. Ah, mesdames, nous n'avons pas encore fini. C'est l'heure de travailler notre sérénité. Asseyez-vous doucement sur vos matelas. Moi, j'aimerais travailler sa sérénité à elle. À coups de bâton dans les côtes. Étendez-vous, les deux jambes fléchies et on y va. Une jambe à la fois. Vous l'étendez bien et vous la montez. Étirez doucement la jambe. C'est ça. Redescends sur terre. Doucement, inutile d'aller trop vite. J'étais en train de penser à la vieille femme hier soir. Je suis passée à sa chambre ce matin, elle était vide. J'espère de tout cœur qu'elle va bien. Dans le cas contraire, je peux te dire qu'elle est bien mieux là où elle est. Je ne suis pas sûre de croire en ça. Croire en quoi? En Dieu. On a besoin d'un exorciste. C'est pas facile d'avoir la foi aujourd'hui, vous savez, c'est vrai. Est-ce que vous avez regardé les nouvelles récemment? Non, merci, je préfère encore le dentiste. Ouais, justement, quelle sorte de Dieu permettrait que des choses comme ça puissent arriver? Mais je crois que tu dois aussi regarder ce qu'il y a de bon autour de toi. Ce que je veux dire, c'est que si tu vois ce qu'il y a de bon, alors là, tu peux croire. On a tous besoin de croire en quelque chose. Étirez-vous et asseyez-vous. Autrement, alors, où tout ça nous mène-t-il? Recouchez-vous lentement, pas de mouvement brusque. Ah ben, c'est ce que je crois, en tout cas. Écoutez ça, il est temps que je rentre. Elle a l'air de quelqu'un qui a du plomb dans la tête. Très bien, mesdames. La séance est terminée. Tu te rends pas compte, Kate? Nous avons tous besoin de quelque chose pour nous soutenir, vrai? Quelque chose de plus puissant que nous-mêmes. Une puissance supérieure. Dieu au sens où nous l'entendons, vous et moi. Ça peut être n'importe quoi pourvu qu'on n'en souffre pas. J'ai cru l'avoir trouvé dans mon troisième mari. Et puis écoutez, alors, 1, 2, 3, 4, 5 accrocs convalescents.
5 accros convalescentes réunies ont plus de pouvoir qu'une seule accro livrée à elle-même, exact? Très juste. Bon, alors vous prenez ces 5 filles réunies par un mauvais sort et vous en faites une source d'inspiration, c'est tout bête. Pam, quelle est la tienne? À part Jésus, oh, Little Richard. Tu as raison, parfait, pas vrai? Ça peut être n'importe quoi, j'ai dit, si ça marche, profitez-en. C'est quoi pour toi, Doreen? Robert Goulet. Je suis désolée, c'est pour lui que je craque, moi. Ouais, craque pour qui tu veux, d'accord. C'est ce que je veux dire. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un chanteur ou, bon, je sais plus qui, là. Ça peut être un bouquin, un peintre, vos enfants, un petit resto que vous aimez. Robert Goulet. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, j'aime pas du tout quand tu fais cette tête. J'en sais rien. J'en sais rien. Je peux te dire, Annie, c'est que j'aimerais être à ta place. Ah, heureuse, joyeuse et libre. Non, avoir 26 ans et faire du 38. Je sais que tu vas t'en sortir. Attention à toi, Annie. Tu me manqueras. Annie? Je t'aime beaucoup, c'est tout. Je tiens à te dire qu'après t'avoir connu pendant ces dernières semaines, écouter tous tes chers dictons, t'es une source d'inspiration pour moi. Et je suis reconnaissante au ciel de t'avoir rencontré. Dieu te bénisse, chérie. Bon, d'accord. Vous savez que je suis pas douée pour les discours et tout ça, alors... Je vais simplement vous dire merci. Et... On se retrouvera à l'extérieur. Ah, Annie, puisque c'est votre dernier jour ici, pourquoi ne nous guideriez-vous pas pour la prière de la sérénité? Seigneur, accorde-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer celles qui peuvent l'être et la sagesse de savoir faire la différence. Voilà, mon grand frère est au rendez-vous. Est-ce qu'on te dépose quelque part ?
Ah, un marché est un marché. Non. Tu as raison. C'est un piètre conducteur. Frangin, voici Kate. Hey. Bonjour, Frangin. Salut. Sois sage une fois dehors. Eh, hey, Dieu ne m'aurait pas tiré de l'océan pour que je me noie sur le sable, voyons. Et derrière les nuages se cachent les rayons du soleil. Oh. Écoute, Kate, je veux que tu prennes ça. Ah non, Annie, non, elle est à toi, c'est toi qui l'as gagnée. Non, non, prends-la. Quand t'auras la tienne, on les échangera. Cette fois, je me tire d'ici. En route, Frangin. Salut, Kate. Je ne suis pas en train de te faire des excuses. Ah. Je pense vraiment que j'ai changé. Je ne bois plus maintenant. Et j'ai l'intention de ne plus boire. Oh, tu as déjà fait cette promesse, je te le rappelle. Mais avant, c'était avant. Aujourd'hui, c'est différent. Vous devez seulement apprendre à me faire confiance. Confiance? Quand nous as-tu jamais donné des raisons de te faire confiance durant ces 7 dernières années? Papa, je t'en prie. Je suis désolée, cela ne nous mène nulle part. Si, et c'est exactement pour ça que vous êtes là, Kate. Tu dois savoir ce que vous ressentez. Être au courant de la colère que vous éprouvez. Elle nous a fait vivre un enfer. Eh bien, dites-le lui. C'est vrai. Je rentrais à la maison ne sachant jamais si tu serais sobre ou complètement dans les vapes. Si tu n'étais pas là, j'imaginais la voiture démolie et toi à l'hôpital. Peut-être même morte. Ce n'était pas une vie, Kate. Al. Mais je crois que la pire chose que tu aies faite, c'est d'avoir privé les enfants de leur mère. À une époque où ils en avaient vraiment besoin. Et moi, j'avais besoin de ma femme. Car je ne l'ai plus depuis longtemps maintenant. Kevin. Kerry. Je crois que vous devriez dire à votre mère certaines des choses que vous m'avez dites. Kerry? Allez-y. J'ai toujours cru que c'était ma faute. Oh non, chérie. Si, maman. Je l'ai cru. Je croyais que plus je me sentais paumée, plus tu buvais. Mais en fait, plus tu buvais et plus je me sentais paumée. Alors j'arrêtais pas de fuguer. Dis-moi. Et dis-moi la vérité. Est-ce que la raison pour laquelle tu t'es mariée aussi vite, c'était t'éloigner de moi? Oui. Oh, chérie. Tu n'étais pas responsable. Personne n'en était responsable. Pas même toi. T'es-tu jamais demandé ce que je ressentais? Toutes les fois où j'ai dû te déshabiller, te mettre au lit. Je ne veux plus y être obligée. Je ne veux plus te préparer tes cocktails. Ni nettoyer quand t'es malade. C'était tellement humiliant de devoir assister aux réunions de parents d'élèves. Tellement ivre que tu y voyais à peine. Et tu as gâché mon mariage. Je sais que... Désolée n'a probablement pas beaucoup de sens à l'heure qu'il est, mais... Je suis pourtant... Sincèrement désolée. Je vous aime tous tellement. Bonjour, je m'appelle Kate. Teddy, enchantée. Vous êtes ma nouvelle compagne de chambre. Vous voulez dire compagne de cellule? Oui, c'est un peu ça.
Un peu. Je viens d'être fouillée par la matrone. Mais elle a pas vu ça. Une gorgée. Ce n'est pas autorisé ici. Qu'allez-vous faire? Me faire arrêter? Ça me plaît pas. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Pour moi, si. J'ai pas besoin d'une tentation comme ça, maintenant. Je vous en prie, souriez, que diable. Il s'agit de mon troisième séjour dans un de ces stupides endroits, sur ordre du tribunal. Moi, j'essaie de faire que ça marche. Ah oui. Soyez réaliste. C'est pas ici que vous pourrez vous en sortir, je vous le garantis. Tout ça, c'est du bidon. Exactement comme ces prétendus traitements du cancer au Mexique. C'est une belle entourloupe pour que quelques-uns puissent s'enrichir. C'est tout. Celle-là pour toi, celle-là pour toi et ça pour moi. Tiens, allez. Il y en a 21. Regarde, chérie, tu as gagné. T'as 21, c'est regarde, pour toi. T'as 21, je te dis. Bah, j'arrive. T'es sûr que c'est 21? Puisque je te le dis, c'est vrai. Je crois qu'il vaut mieux que je la remplace. Vous allez voir ça. Merci. Allô? Kate, c'est Annie. Annie! Salut, comment tu vas, dis-moi? Pas trop bien. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ces bâtards ont dit que je pouvais pas récupérer mes enfants. Oh, qui? Qui a dit ça? C'est leur père, tiens. Et son espèce d'avocat à la con. Ils disent que je dois prouver que je suis une bonne mère. Tu veux que j'appelle mon avocat? Non. J'en sais rien, en fait. Je sais plus du tout quoi faire. Annie? Oui. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Écoute, Kate. Il y a quelqu'un qui voudrait téléphoner, ça fait que je dois te laisser. D'accord? Et je te rappellerai. Oui, d'accord. Mais Annie, tu le fais vite. Entendu. Je te laisse. Au revoir. Vous avez la parole. Voilà, j'ai bien réfléchi. Attention les yeux. Allez-y, continuez. Mais si c'était possible, j'aimerais refaire ma première étape. Tout ce que ma famille a dit était vrai. Je ne me rappelle pas absolument tout, mais je suis sûre que c'est réellement arrivé. Il y a une chose pourtant qu'ils n'ont pas évoquée parce qu'ils n'étaient pas au courant. C'est... Je ne dois pas être prête encore, peut-être la prochaine fois, d'accord? Kate, aucun juge n'assiste à cette réunion. Je sais. Auriez-vous honte de nous parler d'un cancer et de ses symptômes? C'est une maladie, ne l'oubliez pas. Tu y arriveras, chérie. L'année dernière, j'ai terminé dans un bar. Je me rappelle plus du tout où c'était. De toute façon, j'y ai bu un verre ou deux et... Ce que je sais, c'est que je me suis réveillée... nue. Dans un lit de motel crâne. Avec un gars répugnant couché à côté de moi qui ronflait. Il avait mis de l'argent à côté de mon sac sur la table de nuit. Oh, la pauvre. Continuez.
Je vous en prie. Je ne savais pas quoi faire. Je n'avais jamais ressenti une telle terreur, ni eu autant. Honte de moi, de toute ma vie. J'ai enfilé mes vêtements et je suis partie avant qu'il ne se réveille. Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. J'ai peur à l'idée de tomber sur lui inopinément. Oh, vous savez ce qui est pire? J'ignorais toujours que c'était l'alcool la cause du problème. Bravo, Kate. Comment vous sentez-vous? Pas mal, je dois dire. Pas mal. D'accord. Maintenant, nous devrions donner la parole à l'une de nos nouvelles pensionnaires. Lisa, voudriez-vous tenter votre première étape? Eh bien... D'accord. Est-ce que je dois faire mieux qu'elle? Je crois que tout me fait peur. Ne pas boire me fait peur, boire me fait peur. C'est une réaction tout à fait normale. Quitter cet endroit m'effraie. Pourquoi ça? Oh, sûrement parce qu'il y a trop de choses en jeu. J'ai l'impression d'avoir à repartir de zéro. C'est ça qui est bien. Vous avez certaines options maintenant. C'est vous-même qui venez en priorité. Les autres passeront au second plan. Je parle de votre mari, vos enfants, votre travail, tout, du moins pour l'instant. Avant tout le reste, je sais. Et n'allez pas essayer de continuer seule. Trouvez une marraine. J'ai eu au début une période très pénible et j'ai eu envie de tout envoyer promener. J'irai à une réunion dès que je serai rentrée. Excellente chose. Et n'oubliez pas, même si nous avons arrêté de boire, nous restons des alcooliques. Merci. Bonne chance. Dieu vous bénisse. Au revoir. Allez-y. Tu comptes lire encore longtemps? Ça t'empêche de dormir? Surtout que tu m'as manqué. J'ai envie de te faire l'amour. Et si moi je te faisais l'amour? D'accord. Cela fait partie de la nouvelle Kate. C'est seulement l'ancienne que t'as pas vue depuis longtemps. Ce sera une toute nouvelle sensation. Pas comme si c'était notre première fois. Je me rappelle pas la dernière fois que j'ai fait l'amour en étant sobre.
pouvais pas attendre. J'arrivais pas à dormir. Tu parles. Tu avais plus important à faire, hein? Je pensais lire un moment. C'est de l'eau. Et comment est-ce que j'aurais pu le savoir? Bonjour, je m'appelle Barney et je suis alcoolique. Bonjour, bonjour Barney. Bon, je crois que je m'adresserai surtout aux nouveaux arrivants. Quand je buvais, j'étais ce qu'on appelle, du lundi au vendredi, un bon soifard. Oui. Ça veut dire que j'allais travailler tous les jours, je pouvais nourrir correctement ma femme et mon fils, et que j'ai jamais vomi sur les chaussures de qui que ce soit. Par contre, en ce qui concerne les week-ends, si je rentrais à la maison dans la nuit et je sentais qu'on me tapait sur l'épaule, c'était que je tombais par terre. Et puis un jour, je me suis arrêté dans un bar, vous savez, pour boire quelques bières et regarder un match de foot. Quand je suis rentré, à peu près vers 16 heures, j'ai vu mon fils qui attendait dehors sur la pelouse, en tenue de baseball, le gant à la main. Et il a dit, « Papa, où t'étais passé? Tu devais me conduire au match. Qu'est-ce que je pouvais faire ?» Il a grimpé dans la voiture et... J'ai pas du tout vu le stop ou quoi. J'ai pas vu le camion non plus, d'ailleurs. Mais je suis sûr que c'est la dernière chose que mon fils a dû voir. Ma femme m'a quitté après ça. Je l'aimais. Voilà, ça s'est passé en 86. Depuis, je suis resté sobre et je viens régulièrement ici. Il y a tellement de choses en jeu, alors dites-vous ceci. Je viens régulièrement, d'accord? Parce que ça marche. Si vous faites l'effort. Bonjour. Oh, excusez-moi, juste un instant. Oh, mon Dieu, vous êtes Kate Wyckoff? C'est Kate Bannister maintenant, mais je suis désolée, je vous connais. Suzanne Cobb ou Macmillan. Oh non. Oh, pour l'amour du ciel, comment s'appelait-il? Newton, si je me souviens bien. C'est ça. Il essayait toujours de regarder sous les robes du... Oui, et Dolly Miller, le Lucifer. C'est ta première fois? Ça doit. Oh, oui, un peu. Alors? Depuis quand tu es sobre? Je sors d'une cure de désintoxication. À Valévio. Sans rire. J'y suis allée, moi aussi. Sérieux? Oui. Ta première impression? Pas si mauvaise que je l'imaginais. Depuis quand pour toi? Ça fait 12 ans. Oh. Et tu continues à en venir? T'en as pas marre? Oh, si. Un tas de choses m'ennuient, mais c'est celle-là qui me garde sobre. Dis-moi si je me trompe, mais ils m'ont dit qu'il faudrait que je me trouve une marraine aussi vite que possible. Oui. Moi? Oh, je ne sais pas si je suis vraiment la marraine idéale. Ma vie est plutôt décousue. Et... Oui, mais toi, je te connais. Enfin, quelque sorte. Ce sera un commencement. Je promets de me rendre à autant de réunions qu'il me sera possible d'aller. Ils m'ont dit 90 séances en 90 jours, c'est ça? Oui, mais... Mais est-ce que c'est pas le but de tout ça? Montrer que nous avons besoin des uns des autres. Entendu. Tu viens de te trouver une marraine. D'accord. Gagne, toi ou Mario? Tu as une minute? Bien sûr. Chérie, nous n'avons pas eu beaucoup l'occasion de parler depuis que je suis rentrée. Mais il y a certaines choses que j'aimerais te dire et... Maman, t'en fais pas? Non, je tiens à te les dire. J'ai dû faire face à de dures épreuves ces derniers temps et j'aimerais faire le point avec toi. Je souffre d'une maladie. L'alcoolisme, c'est une maladie.
Ma mère l'avait, mon grand-père l'avait aussi. Elle est dans la famille et c'est un point dont je veux que tu sois parfaitement conscient. Ça m'a fait dire et ça m'a fait faire pas mal de bêtises au cours de ces dernières années. Mais je te pardonne. Comme tu l'as toujours fait. Ça faisait partie du problème. C'est comme si tu avais été le parent et moi ton enfant. Qu'importe ce que je faisais ou bien comment je me conduisais. Tu étais toujours là pour moi. C'est ce que j'aimais tant chez toi. Mais maintenant, il est temps pour toi de récupérer ta mère. Il est temps de redevenir un petit garçon. Oui, c'est vrai. Plus si petit que ça. Tu m'as vraiment manqué. Oh. Oh, chérie. Tout va bien ici? Oui, tout va bien. Bon, dépêchons-nous, j'ai peur qu'ils annulent les réservations. Ah. Ness, j'y vais. Allô? Je n'ai pas pu trouver la bonne cravate. Oui, c'est moi. Ici l'hôpital général de Seattle. Une dénommée Annie Fernandez vient d'être admise chez nous. Oh, mon Dieu. D'après la police, vous êtes la seule personne qui soyez en relation avec elle. Oui. Pouvez-vous venir à l'hôpital? Entendu, j'arrive tout de suite. Al, je suis désolée, je ne peux pas aller au restaurant. Comment tu ne peux pas? C'est pour affaire. Les Barton sont certainement déjà en train d'attendre. Une de mes amies a des ennuis, il faut que j'aille la voir. Quelle amie? Une fille du centre. Pourquoi dois-tu la rejoindre? Je viens de te le dire, c'est mon amie. Et que suis-je, moi? Al, je t'en prie. D'abord, tu vas tous les jours à une séance des alcooliques anonymes. Et ce soir aussi, tu es prise. Tu passes vraiment d'une obsession à une autre. Quand cela va-t-il s'arrêter? Quand est-ce que j'aurai ma place, Kate? Je suis désolée. Mais c'est ça le plus important pour l'instant. On a trouvé votre nom et votre numéro de téléphone dans son sac. Comment va-t-elle? Elle a fait une overdose qui a entraîné une crise cardiaque. Je doute que nous en sachions plus avant demain matin. Elle est ici. Merci. Thank you.
Il s'est tiré. Satisfaite? C'est modèle avant toute autre chose. Quant à vous, Jack, étudiez ça et revenez me voir. Faites une pause, d'accord? Qu'est-ce qui se passe, Al? Je pense que tu as deviné. Je m'en vais. Et tu pouvais pas me dire ça en face. Il a fallu que tu profites de mon absence. C'était une erreur, toutes mes excuses. Mais quand je suis rentré hier soir et que tu n'étais pas là, eh bien, j'ai décidé que c'était le moment. Le moment? J'ai pas été sobre pendant 6 ans. Et maintenant que je me retrouve parmi les vivants et qu'on a une chance de faire que notre mariage marche, tu fais tes valises et tu t'en vas maintenant. Kate, notre mariage était mort depuis longtemps. Vraiment? Alors dis-moi quand c'est arrivé. Est-ce que c'était à l'époque inoubliable où je tombais régulièrement la tête dans les toilettes? J'en sais rien, je ne sais pas quand ça s'est passé, c'est arrivé. Écoute, est-ce qu'on est obligé de parler de tout ça? Oui, je pense que tu me dois bien ça. Tu crois pas? D'accord. C'est un fait que depuis des années maintenant, tu n'es plus celle que j'ai épousée. Tu es devenue quelqu'un d'autre, une autre femme. Et je n'aime pas cette autre femme. Je ne peux vraiment plus l'apprécier. Mais cette femme est partie. Et c'est moi qui l'ai enterrée. Il y a quelqu'un d'autre, c'est ça? Yes. Quelle importance, tu ne la connais pas. Une cliente. Et tu l'as rencontrée quand? Il y a 2 ans et demi. J'avais besoin de quelqu'un. Tu n'étais pas là. Tu as eu une liaison pendant 2 ans et demi. Comment ai-je pu ne pas m'en rendre compte? C'est assez facile à deviner. Et pourquoi n'es-tu pas partie depuis longtemps? Comment le pouvais-je? Ça t'a pas été difficile hier soir? Voilà, je ne pouvais pas te quitter dans ton état. J'avais peur de ce que tu aurais pu faire. Mais maintenant, ça va. Oui, je le crois. Parce que je suis sobre. Parce que je te crois assez forte pour encaisser maintenant. Tu n'as aucune idée de ce que je peux encaisser. En fait, tu ne sais pas la moindre chose sur moi. Kate, s'il te plaît. J'aurais préféré que tu sois partie depuis longtemps. Ça m'aurait peut-être forcé à me soigner plus tôt. Peut-être pas. Mais au moins, on n'aurait pas vécu dans le mensonge aussi longtemps et perdu tellement de temps. Je croyais faire ce que je devais faire. Les enfants étaient encore jeunes. Tu sais ce qui me rend vraiment malade? Nous nous étions promis de rester unis dans la maladie et dans la santé. Et maintenant que je suis enfin de nouveau en bonne santé, tu me quittes. 22 ans de mariage et je suis mise à la porte comme une simple petite secrétaire intérimaire. Je ne t'aime plus, Kate. J'aimerais parler à Suzanne Cobb. Mais vous savez quand elle rentrera? Eh bien, dans ce cas, je vous en prie, dites-lui que Kate Bannister a appelé et que je souhaite lui parler dès que possible. Non. Je vais la rappeler. Merci. Oh.
Elle a dit qu'elle serait là à 3 heures. Non. Kerry, elle était bouleversée. Mais il est 4h30. Sa marraine a appelé, elle dit que maman lui a laissé 3 messages. Oui, oui, elle doit déjà être en route. Très bien. Oui, d'accord, ne traîne pas. Salut. Allô, je suis Kate Bannister. J'ai déjà laissé plusieurs messages pour Suzanne Cobb et... Quand est-elle passée les prendre? Et elle n'a pas laissé de message pour moi? Entendu? Non. Merci. C'est terminé en 2 minutes. Un vrai gag. Ah, si t'avais vu la tête de la fille, ça m'étonnerait qu'il obtienne un autre rendez-vous de si tôt, le pauvre type. Madame Bannister, comment allez-vous? Qu'est-ce que je vous sers, comme d'habitude? C'est parti. Faire du café? Oui, bien sûr. Si tu nous en préparais un. D'accord. Bonsoir, c'est nous. Je suis Kerry, vous devez être Suzanne. Bonsoir. Bonsoir, voici mon mari Greg. Bonsoir. Bonsoir. Désolée, j'aurais préféré d'autres circonstances, mais nous devons retrouver votre mère. Avez-vous une idée où elle est? Non, mais j'ai appelé Nora et elle m'a remis la liste des principaux restaurants où elle allait. Et ils ont tous des bars. Eh bien, nous n'avons plus qu'à appeler. C'est ça. C'était le dernier. Je crois que nous devrions appeler les hôpitaux. Kate, oh, je suis désolée, j'ai finalement reçu tes messages et nous nous faisions un sang d'encre. Nous ne savions pas où tu étais. Qu'est-ce que c'est? Dans ce sac, ma chère. Il y a un petit pense-bête de ce qui pourrait se passer. De l'état dans lequel je pourrais me retrouver. Si jamais je ne reste pas sobre. Mais rassurez-vous. Je n'ai pas bu. Et rien. Jusqu'à maintenant. Que souhaiter d'autre, alors? Merci d'être venu. Oh, tu rigoles? Pas de problème, une marraine ne dort jamais. Je te rappellerai.
Merci pour tout. J'aimerais que vous veniez dîner un soir. J'en serais tout à fait ravie. Merci. Tu es allée voir papa? Oui. Est-ce qu'il va revenir? Non. Il y a quelqu'un d'autre dans sa vie maintenant, et ça fait déjà un moment. J'arrive pas à le croire. Oh, moi si. J'en avais l'impression depuis longtemps, tu sais. Qui est-ce? J'en sais rien. Je crois pas que vous la connaissiez, d'ailleurs. Je hais ce type. Tu ne dois pas le haïr. C'est ton père. Moi, je le hais. Oh, maman. C'est rien. J'ai toujours su que pour tout ce qu'on faisait dans cette vie, à un certain moment, il y avait un prix à payer. Mais je croyais pas qu'il serait si élevé. Greg, je veux vous remercier de m'avoir sauvé la vie. À partir d'aujourd'hui, nous allons faire certains changements. Je crois que tous, on devrait essayer de parler, d'être plus ouverts les uns aux autres. Et il y a aussi un groupe assez connu, ce sont les Alcooliques Anonymes. Oui. Kerry et moi, nous en avons déjà discuté. Tu sais qu'il est très bien. Très bien. Quelqu'un d'autre célèbre-t-il ses 30 jours de sobriété? Peut-être 60 jours, alors. Je suis en quête d'un orateur. Alors, personne n'est resté sobre pendant 60 jours. Venez au micro. 60 jours, c'est bien. Bravo. Bonjour, je m'appelle Kate et je suis alcoolique. Bonjour, Kate.